la femme de Obiangema dans le palais présidentiel. Voilà ce que tu étais. Tu es né avec une cuillère en or dans la bouche. C'est ce que tu es. Tu es docteur avec beaucoup, beaucoup de diplômes. Où je t'ai donné docteur Mbrakata. Maman, docteur, je demande. Une intellectuelle se discute sur Facebook comme ça, maman. Je n'ai jamais moi vu ça. J'ai commencé à douter de ton intellectualité là, de ton doctorat. Quand tu as commencé les clashs, j'ai dit que maman, les intellectuels ne répondent pas aux. Les intellectuels sont dans le. Quand tu clashes un intellectuel, la personne ne te répond pas le silence. Et ça te pionce. J'étais vu, tu as commencé à. Avant, tu écrivais seulement. J'étais même donné les conseils qu'on écrit puis faire le direct. Parce que je ne peux pas lire. Demande, dites-lui de faire le direct. Ma petite soeur, parce que comme je suis la plus vieille de Facebook, ma petite soeur, tu es même sortie avec le footballeur ou c'est Kameni, tout ça. Tu as pleuré même son banzout ici là. Tout le monde a vu. Ma grande soeur Chou. Hein, ma petite soeur Chou. Tu as même monté où c'est celle entreprise au Hilton, au Cameroun, à Yaoundé. Tu as donné les adresses. Tu es né avec une cuillère en or. Ton père était ministre, directeur de la CIA TV. Ceci, tous les titres là. Quand je t'ai vu, quand moi je t'ai vu, quand moi, Fleur de Lys, je t'ai vu, te cacher pour entrer dans, derrière un taxi à Yaoundé. Excusez-moi. Je t'ai vu, c'est ta soeur Marthe Chopard qui avait dit, je disais que la fille là, elle ne peut pas dire ça. Marlène, quand elle a dit que tu as pris le taxi à Yaoundé, elle a envoyé une photo, tu étais assise dans, tu étais comme ça. Marlène, tu étais comme ça. En train de stopper le taxi, tu étais, le taxi, tu sortais de, tu étais comme ça. En train de stopper le taxi en route. Ou qui t'a capturé pour envoyer. Marthe Chopard a envoyé ça. J'ai dit que quoi? C'est elle ici. Il dit que, elle a dit que c'est Marlène. Je n'ai jamais cru que c'était toi. Aujourd'hui, je peux dire avec certitude que c'est toi. Maman, c'est toi. Maman, on peut finir sa vie avant qu'on ne te jette tes choses dehors. La photo que Marthe Chopard. Elle peut parler à sa maison. Hein. Rien que l'autre là. Elle parle pour elle. Marlène. Docteur. Je n'aime pas taper pas ton nom. Moi, je t'appelle Docteur Mbrakata. Docteur Mbrakata. Quand je t'ai vu comme ça. En train de stopper le taxi. En plein Yaoundé qui est ton village. Où ton père était milliardaire. Je t'ai vu comme ça. J'ai dit que non. Je n'ai pas cru. J'ai dit que c'est elle. Tes soeurs Yaoundé même m'ont appelé. La propriétaire où tu louais, qui habite aussi là-bas, a dit que elle vit chez moi. C'est Marthe Chopard qui a fait appeler. J'ai écouté, mais après, je n'ai pas voulu faire le direct là. Donc, c'était toi caché au taxi. Maman. C'était toi. Une femme née avec la cuillère en eau qui est sortie avec le président de la République et les ministres et les ceci. Ma soeur, je ne vais pas te répondre parce que je ne vais pas entrer en clash avec toi. Parce que vraiment, ça me fait de la peine. Ça me fait tellement pitié. Parce que dans la vie, on dit toujours, je suis partie de rien pour être ce que je suis. Toi, tu es partie d'en haut pour être en bas. Ça là, ça fait honte. Hein? Maman, je préfère partir enfant du pauvre que... Nous, on chiait dehors. Les toilettes dehors. Aujourd'hui, j'ai conçu avec les toilettes internes et j'ai donné tout le confort à ma famille. Je peux être fière de ça. Partie de rien pour être ce que je suis aujourd'hui. C'est un parcours. Maman, même dans la bordelerie, ce n'est pas tout le monde qui réussit. Parce que ton mot, c'est dit que les vendeuses de piment, mais la vente de piment, non. Tout le monde ne réussit pas dedans. Parce que toi-même, ce que tu as fait la sortie avec tes sorties, avec tes sorties, avec tes... C'est la vente du piment. C'est la vente du piment dans les hôtels. C'est la vente du piment de pays en pays. La vente de piment, c'est de catégorie à catégorie.
Te voilà aujourd'hui blogueuse. Tu fais les directs dans le noir. Tu fais les directs dans le noir. C'est l'enfant d'un ministre qui fait le direct dans le noir. Pour raconter quoi? Les mots qui sortent de ta bouche alors. Maman, je suis venue là aujourd'hui te dire que la première dame du Cameroun, Maman Chantal Biya, elle n'envoie personne t'insulter. Tu veux qu'elle te connaisse. Bien sûr qu'elle doit peut-être te connaître. Mais je vais attirer ton attention. Les Camerounais aiment le Congo, ça. Et comme je prononce ton nom, c'est pour te donner la visibilité. La première dame du Cameroun n'a jamais envoyé personne. Fais ton clash avec... Si Guylaine Chapuis t'a déjà mis à terre, accepte. Parce que là, tu es sorti du cadre qu'il fallait. Tu es dans le clash avec Guylaine Chapuis. Elle t'a monté sa maison, t'a monté son intérieur. Fais le clash avec elle. C'est avec elle que tu dois faire les clashs. Ce n'est pas parler. Parce que le fait que tu parles de la première dame du Cameroun, Marlène Mvuto, le fait que tu parles, la première dame du Cameroun n'appartient pas à une tribu. La première dame du Cameroun, bien qu'elle soit étant, elle soit soi-disant de 100 millimètres de chevaux, mais elle appartient à tous les Camerounais. Quand elle ne sera plus première dame, elle pourra être de chevaux. Mais pour le moment, elle est la première dame du Cameroun, la première dame de tous les Camerounais. Tu n'as pas le droit de t'élever, parler de la première dame comme tu parles là. Toi-même, ça devait te faire honte, non, ma? Ça devait te faire honte. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter parce que tu es allé trop loin. Mieux tu viens, on reste, on clash entre nous. Tu vois un peu le genre, non? On fait nos choses entre nous. Tu fais avec Guylaine Chapuis. Quand elle t'a mis à terre, le jour que tu la mets à terre, tu la mets. Le jour qu'elle te met, tu quittes. Tu peux avoir Marthe Chopa. N'est-ce pas, tu as dit que le président Amoth vous a fait faire la paix avec Marthe Chopa. On vous a appelé la conférence pour faire la paix. Pourquoi tu continues alors, ma petite sœur Chou? Hein? Ma petite sœur Marlène et vous touchou. Tu es la femme d'un juif, d'un diamantaire, d'un milliardaire. Hein? Il faut arrêter, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu es quand même une intellectuelle. Tu es allée à l'école. Tes diplômes sont remplis dans tous les placards, dans tes chambres. Il faut laisser. Pardon, il faut laisser. C'est ce que je suis venue te supplier aujourd'hui pour te dire que, ouais, ne parle plus la première dame. Je suis vraiment sérieuse. Et je dis à Madame Chapuis, Tata Guigui, pardon, ne viens plus défendre au nom de la première dame. Viens lui parler à elle. Parce que c'est ce qu'elle cherche. C'est ce qu'elle cherche. Quand tu viens dire que oui, je défends la première dame du Cameroun, elle se dit qu'elle dit tout ce qu'elle dit là. Et les Camerounais aiment le Congo. Ça, là, maintenant, les Camerounais te supportent jusqu'à. Parce que tu donnes le farce. Tu sais que les Camerounais vivent que sur la base du Congo. Ça, ils attendent le farce, que ça soit vrai ou faux. Le farce de ça. Tata Guigui, pardon. Laisse les clashs avec Marlène. Vous êtes déjà allé très très loin. Dès lors, tu as vu avec la première dame. Tu es parti saluer la première dame. Honnêtement, je ne savais pas que quand tu allais sortir de saluer la première dame là, tu allais encore faire les clashs comme ça, Tata Guigui. Je te dis, Tata Guigui Chou, je pensais qu'après avoir vu la première dame là, tu allais changer la façon de faire. Pardon, il faut laisser. Tata Guigui, laisse les clashs avec Marlène. Il faut laisser, pardon. Laisse elle parler ces choses sur son mur. Marlène Chou, hein, ma docteur. Docteur, tu sais qu'on t'aime beaucoup, non? Tu es une héritière. Regarde, moi, je suis sur Facebook, je demande les étoiles, je lance les dons. Dès que j'ai besoin que je sois là, toi, tu es une héritière, tu as là ton héritage qui t'attend. Il faut laisser.
Les Camerounais ont inventé qu'on t'a mis dehors, on t'a chassé au Cameroun dans la ville, on a jeté tes choses dehors. Ce n'était pas toi. Ce n'était pas toi. C'est une personne qui te ressemble seulement. Ce n'est pas toi qu'on a mis dehors. Les Camerounais inventent sur les gens, hein. Ce n'est pas toi. Cher Camerounais. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle qu'on avait mis dehors. Vous savez que quand on a jeté les choses, on a tchac-tchac les choses, ce n'était pas elle. C'est qu'il y a une personne qui a usurpé son identité au Cameroun, qui la ressemble. Vous savez que les Camerounais aiment le Congo, ça. La personne a fait ça pour salir l'image de docteur. C'était sa jumelle. Ce n'est pas elle. Et il y a un faux profil qui a créé aussi quelque chose l'autre jour. Aller copier les images sur le... C'est quand tu descends comme ça. Comment faire quand tu fais comme ça le téléphone non réel? Elle est partie copier maintenant la maison d'un blanc. Aller mettre maintenant sur son mur que c'est... Maintenant les Camerounais ont attrapé. Ils ont mis ça encore sur docteur. Vous pensez qu'une docteur de son état avait un père qui était... Peut être comme ça, maman. Que la maison là vaut quoi? Mais elle peut avoir ça si elle veut. C'est une maison, elle peut avoir plus que ça.